Bobolingo nange koma sujet dissertation toute la nation. Vous avez les vins promotion nini centre nini boloba na yeba. Fimbo be bien zina mo komo na etali sen kolona ye berger. Tozoli abiso tout na table moto la moto atalo ya yesani. Moto ya nzala kabake jamais bile ina moto ya si atondi. Tozape na régime alimentaire mon côté poto kabola moko na zanango. Yanga nini nangambo tikangai na bolingo bakabakate plateforme nini nozolukela nga tosala arrangement politique nandimi kasi arrangement bolingo nakondima jamais on dira masisi ni pa volinga vraiment nazito na defie lokwa moto. Un grand merci à vous d'être connectés, les abonnés de Bibi Chambombo. Happy New Year. Bonne année à tous partout, Bozali. Merci beaucoup pour la confiance, Bozo Pesabiso. Merci pour la co-partager, Bali, et émission d'Abiso. Merci à ma like, Nabino. Bonne année à tous. Merci à ceux qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire. Happy birthday à vous, joyeux anniversaire. Comme on a toujours l'habitude de les dire. Joyeux anniversaire à vous et bonne année à tout le monde. Mes condoléances aussi à ceux qui plairent, bah, on est sur le bazar éprouvé. Tu auras toujours une habitude. Il y a que ça, là, on a émission Nabiso. Merci beaucoup à vous. Bonne année encore. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de Cindy Le Cœur. Bah, tout le monde balinga Cindy. Bah, fanion, il y a Cindy Le Cœur. En tout cas, tout le monde est là. Biographie y a Cindy Le Cœur, place à Outa, place à Banda, en tout cas, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Restez toujours connectés sur votre chaîne Bibiche Mbombo officielle pour ne rien rater. Voilà, let's go. Cindy Le Cœur, née Candy Kunku le 11 novembre 1983, alias Wankoro, originaire de province du Congo central. Cindy est issue d'une famille de quatre frères et sœurs. Elle a grandi en écoutant Céline Dion et Whitney Houston. Entre autres, son père Seba est décédé le 14 juillet 2021. Elle s'est inscrite à l'Institut National des Arts pour perfectionner sa belle voix, où elle a été sanctionnée par un diplôme. Elle a également collaboré avec de nombreux musiciens comme choriste, notamment avec les chanteurs Cool Matopé. Sa carrière musicale a pris une tournure lorsqu'elle a rencontré Koffi Olomide dans un studio à Kinshasa. Ainsi, elle décidait d'arrêter la musique gospel en intégrant en 2007 le groupe Quartier Latin. Cindy a défié tous les obstacles pour devenir pionnière du Wassa Group en 2002, où elle a participé à la Belgium africaine African Week à Bruxelles. Elle a joué dans la chanson Lili Kaniki. Après avoir rencontré Koffi Olomide en 2007, elle a obtenu 2 prix en 2009, l'un de meilleure artiste féminine au Congo et l'autre du meilleur prix de la génération au Zénith. Son premier album a été mis sur le marché le 6 juin 2013. Elle comporte 6 titres. Son morceau révolutionnaire Ikea, que tout le monde connaît, l'a fait connaître du grand public. Elle a reçu le Kora Award comme meilleur artiste féminin. Artiste féminine en Afrique centrale en 2014. En octobre 2019, elle sort la chanson Égérie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cindy Le Cœur actuellement, elle évolue au Quartier Latin
de notre star Koffi Olomide. Pour avoir plus d'informations, en tout cas, veuillez vous abonner sur notre chaîne et partager les liens de notre vidéo. Merci beaucoup et je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro de notre émission. Bye, c'était la Bibiche. Bye.
Je suis